La grande famille. Trois mots, cinq jeunes et un jour. Le 17 octobre 2013, la date où tout a commencé. Un certain jeudi, avenue des Champs-Élysées. La grande famille, c'est un peu notre série américaine à nous, avec Ségolène Huguet dans la peau de Steven Spielberg. Ce soir, c'est encore un épisode incroyable. Nous, étudiants de Seine-Saint-Denis, sur la barge Liberty avec vous. Qui aurait pu nous vendre une histoire pareille? Vraisemblablement personne, jusqu'à la création et la mise en place de ce projet qui est la grande famille. Laissez-nous vous raconter notre première année qui n'est que le début de ce formidable projet. Gâté, c'est le mot. Entre sorties, rencontres et projets, nous avons pu nous immiscer dans un monde véritablement différent de celui qui est le nôtre. Inutile de débattre des heures entre nous pour être unanimes sur le fait que cette expérience ait été un soutien et un apprentissage non quantifiable. Le Sénat fut notre première sortie avec nos parents. Cela nous a permis de découvrir le patrimoine exceptionnel que constitue le Palais du Luxembourg. La découverte de cette haute assemblée nous a permis de nous confronter à la réalité. Comme vous pouvez vous en douter, à la vue de l'hémicycle, nos 10 yeux se sont écarquillés. Pour certains d'entre nous, c'était la première confrontation à ce que l'on appelle les ors de la République. Nous avons été impressionnés par l'immensité qui nous entourait. Cette première sortie donna le ton et ne fut qu'un aperçu de ce que nous allions vivre par la suite. Et que dire de Mademoiselle Charlotte, ce petit bout de femme aux multiples bracelets, nous a appris que les relations interpersonnelles se jouaient aussi beaucoup par le regard que l'on porte sur nous. Elle nous a fait mesurer toute l'importance et la nécessité de ce premier contact visuel. Entre deux regards, parfois intenses, elle nous a donné des codes vestimentaires et a essayé de nous familiariser et nous mettre à l'aise dans ce milieu où cravates et vestes sont de rigueur. Ajoutez à cela les petits conseils vestimentaires de Maître Ardavan, et croyez-moi, Benjamin et Youssef ne vous diront jamais le contraire. Vous êtes définitivement prêts à ce niveau pour travailler en entreprise. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, Gérard Cohen et moi-même sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous avons aussi eu la chance d'assister à un autre regard, qui est une initiative du cabinet autour d'un petit déjeuner dans un lieu incroyable qui est le Cercle de l'Union Interalliée. Cet événement ne sert pas seulement à sécher les cours, il s'agit d'un événement culturel au cours duquel une personnalité ayant écrit un ouvrage partage avec l'auditoire sa vision du monde. Par exemple, François de Closet nous a intéressé à la situation économique de la France et la place que celle-ci tient dans le monde actuel. Lionel Nakache nous a, lui, démontré que nous sommes des êtres de croyance. Ces moments ont été des instants de découverte et de plaisir. N'oublions pas les stages pour qui nous avons fait en partie ce concours et qui, sans le cabinet et l'aide de Ségolène, nous aurions eu beaucoup de mal à obtenir. Nous avons tous effectué un stage d'une semaine au sein du cabinet. Tous les cinq avons été entourés de Charlotte Drahon, notre Miss Godet National, de Perlette et Maggie Grivalier, qui toutes les trois nous ont pris sous leurs ailes en étant présentes pour nous aider et répondre à nos interrogations. Ce stage a également été l'occasion d'échanges avec de nombreux membres du cabinet. Cet été, nous serons de nouveau tous en stage. Une nouvelle occasion d'apprendre, et cela dans des entreprises réputées. En effet, Justine Pilot effectuera son stage chez Spi Batignol, Sarah Bahari chez GFI Informatique, Evody Mazaki au tribunal de Nanterre, Youssef Hassan chez Air Liquide et Benjamin Thomé chez Nutrixo. À titre individuel, nous avons tous vécu des expériences enrichissantes. Justine Pilot a participé à un concours d'éloquence. Qui aurait cru que l'on proposerait un jour un concours d'éloquence qui lui met de plus grosses appréhensions? L'art de savoir parler et surmonter ma timidité. Après avoir passé les régionales, je me suis retrouvée au Touquet, au National, pour représenter le Lions Club Paris-Quai d'Orsay. Ce fut une expérience que je n'oublierai jamais. Sarah Bahari a, elle, rejoint une association, Res Femina. Cette année, c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. Cette association a pour présidente Sylvette Dionisi et pour marraine, Madame Simone Veil. Grâce à cette association, j'ai pu suivre une formation de prise de parole qui m'aide aujourd'hui à m'exprimer en public. J'ai pu visiter aussi de nombreux lieux cultes, tels que l'UNESCO, mais aussi le Conseil constitutionnel, endroit dont je n'entendais parler seulement qu'à travers mes cours. Benjamin Thomé et Youssef Hassan ont, eux, eu la chance de faire partie de l'émission « Dans nos quartiers » diffusée sur la chaîne LCI hier soir. Il y a également eu pour Evody une découverte du milieu de la mode grâce aux créations de Loane, la charmante hôtesse d'accueil du cabinet. Il nous semble important de vous faire rappeler que la grande famille a été récompensée à sa très juste valeur lors du prix Opéra, qui a pour objectif de récompenser les meilleures actions de communication de l'année réalisées par les cabinets d'avocats. La grande famille a reçu le premier prix et le prix spécial du jury. Nous sommes extrêmement fiers d'en faire partie. Cette remise de prix aura été l'occasion pour Benjamin Thomé
de s'exercer à la pratique de la prise de parole en public, chose que l'on adore tous faire, ou pas. Alors voilà, vous savez tout. Vous l'aurez compris, cette année fut forte en émotions, rythmée par des projets individuels, mais aussi collectifs. La grande famille est une source de richesse et de partage. Tous ces moments passés avec vous, dans et en dehors du cabinet, nous ont fait grandir, professionnellement, mais aussi humainement. C'est donc pour chaque souvenir, chaque rencontre, chaque moment partagé, chaque anecdote, que vous tous, chers parrains et marraines, chers amis qui formez notre grande famille, nous vous remercions. Avec une infinie reconnaissance.